passe, pipipiste. Ouh, je suis de retour, salut à tous. Ça fait plaisir de retourner une petite vidéo. J'ai eu quelques relances de la part de mes plus fidèles, et vous vous reconnaîtrez, de mes plus fidèles auditeurs sur YouTube. Un big up à ces messieurs. Ah, que je ne nommerai pas, bien évidemment, j'ai pas envie hein, que demain vous soyez devenus des illustres célébrités, les mecs. Alors que peut-être vous n'avez pas envie. Enfin bref, à toutes celles et ceux qui me suivent, merci. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des puissants. Vous savez, les puissants, on appelle ça les puissants, les mecs qui gouvernent les pays, tout ça, notamment en France, notre ami Manu, qui lui, en termes de puissance, certainement qu'il est incapable de soulever ne serait-ce que la batterie externe supplémentaire de mon appareil, puisqu'il ne l'a certainement jamais fait, puisqu'il a jamais dû faire ses lacets, il a certainement dû jamais laver ses slips, il a certainement dû jamais se poser de questions de savoir si tous les mois il allait boucler un petit peu gérer son budget et tout un tas de merde comme ça qui lui passe au-dessus de sa tête. Et bien évidemment, j'ai envie de te dire, mon vieux Manu, atterris, viens voir un petit peu les Français, hein, comment ils vivent au quotidien, et on pourra rediscuter par exemple de la retraite. Oh bah ta retraite, toi tu t'en fous, Manu, elle est toute assurée en termes de président de la République. Aujourd'hui, quand tu sortiras de ton règne, hein, tout ira bien pour toi. On tueras de l'oseille tous les mois pour que tu ailles te dorer la pilule avec ta vieille, hein, dans un truc, dans un EHPAD. Oui, parce que quand même, à un moment donné, il faudra y aller avec maman, hein, à l'EHPAD. Tu l'accompagneras, tu la laisseras, après tu iras te faire le fion par les autres. Enfin bref, parce que c'est ce que tu es en train de nous faire en ce moment. Ça, c'était une petite crotte donnée spéciale pour mon pote le président de la République. Donc voilà, petite vidéo pour vous saluer tous. Hein. En ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il faut, je pense, se mobiliser, aller faire des grèves, comme je fais, dispenser la bonne parole à vos collègues, vos amis, et leur dire que c'est important d'aller dans les rues pour accompagner le mouvement, pour dire voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est pas bien. Hein, les puissants, les tocards de service, ils sont en train de nous baiser la gueule. Hein, il ne faut absolument pas qu'on en reste là. Allons manifester, allons défendre nos droits, et n'oubliez pas, hein, il y a des mecs qui se sont battus et qui sont morts pour ce qu'on a là aujourd'hui. Alors je ne crois pas que ce soit vraiment leur portée honneur si on ne bouge pas notre cul, tu vois. Moi je bouge mon cul, j'y vais, je vais manifester, je me rappelle de ces mecs-là, je ne les connais pas, mais ils étaient là et ils se sont battus pour nos droits. Et on nous les enlèvera pas, mon vieux Manu. Attention. Attention, regarde. Délicace pour toi. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel Macron. Je suis le président de la République. Je suis là pour vous dire, messieurs, dames, que la réforme des retraites, elle passera quoi qu'il arrive. Bien sûr, Emmanuel Macron n'a pas de lunettes, mais j'avais envie de le singer. Et je fais ce que je veux sur ma chaîne. Allez, passez un bon week-end, amusez-vous, et n'oubliez pas, quand il s'agira d'aller voter, votez pour les bons gars. Ou les bonnes meufs, je sais pas comment vous voyez les choses.